Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Enduroparc de Château-Lastour à l'occasion d'un stage off-road organisé par BMW. Là, je longe les rives du lac du Bourget en direction de la Ravoire, où se trouve ma concession MotoSpeeder 73 pour faire monter des pneus à tétine sur ma moto. Donc, comme d'habitude, je vous emmène avec moi tout au long de ce week-end qui risque d'être bien sympathique. Allez, c'est parti! Chambre sympa à 6 gens, je suis fatigué de pas possible. Levé depuis 6h30, j'ai fait 650 km. Par contre, une particularité, vous allez rigoler demain, je vais vous faire une vidéo, vous n'êtes pas prêts. Ma moto, elle a dormi dans des garages, dans des cours, dans des caves, dans des. Bref, de partout. Et là, ma moto, figurez-vous que le monsieur, il l'a mis dans le sas de l'église de 6 gens. Ma moto, elle est dans l'église. La moto à Hassan, elle est dans l'église. Je vous jure que c'est vrai. Je n'y ai pas cru quand il m'a dit ça. Il m'a dit non, pas de problème, j'ai les clés de l'église, on le met dans le sas, il n'y a pas où le mettre, j'ai pas de garage. Ah bon? Bon, d'accord. Bah écoutez, elle est bien gardée. Je vous fais la vidéo demain. Sur ce, je vais me coucher. Salut! Bonjour à tous, on va coiffer mieux que ça. Voilà, il est 7h15 et de réveil 6h40 avec la douche, le temps de descendre. Et voilà, regardez ce qui m'attend. Je vous dis que ces gens-là sont super, un bon petit déjeuner. Et franchement, top, avec tout ce qu'il faut. Donc le monsieur, il est là. Ça vous dérange pas que je vous filme? Pas du tout. Donc le monsieur est là, il court, voilà. Il ne veut pas se faire filmer. Et donc voilà, on a un super petit déj. Ça va faire du bien. On part dans une demi-heure. Du moins, je pars dans une demi-heure. Et puis tout est prêt. Allez. Donc là, il y a l'église. OK. Au matin, à 6 Jean. Et regardez. Vous allez suivre avec moi. Bien dans l'église. Hein. Voilà. Oui. Il y a quelqu'un? Regardez ce qu'il y a dans l'église. Alors ça, c'est une première. Ça ne serait jamais arrivé. Je vais pousser un petit peu la moto. Ne vous pas. La moto, elle est dans l'église. Elle est là. Je vous mens pas. Donc je vais déplacer la moto avec monsieur. Et puis on continue. Donc la moto elle est là et en fait elle était... le monsieur m'a proposé de la mettre dans l'église, c'est juste énorme. Alors bon matin, il fait bon, c'est calme et donc je suis parti pour l'Enduroparc Lastour. Ça va faire du bien, à plus. Yo. Donc nous voilà partis, 6 Jean, direction Lastour, l'église, on démarre, c'est parti. Je vous montre quand même, ça je vais la garder longtemps. Hein. Nous sommes sur la place du village du 6 Jean, et voilà, où la moto a dormi à bonjour la mouette. C'est magnifique. Excellent. La bécane a dormi dans une église.
Ah, t'es bien gardé. Allez, c'est parti. Peur. Je pense que je vais peut-être pouvoir t'aider. Ouais, une station service. Le plus simple c'est de retourner sur Sigean. Ah, c'est à Sigean? Ouais. Ok, bon. Là où plus près t'auras pas ça. D'accord, à Sigean il y en a une aussi. Sigean il y en a une, ouais. Ok, c'est super. À une dizaine de minutes. Bon, super. Ah, on dure pas, oui, je me doutais que Ah, d'accord, ok, super, je suis tombé sur la bonne personne. C'est où là? T'inquiète pas, hein. Normalement tu sors du village. Ouais. Tu continues tout droit et à un moment t'as un chemin de piton sur la gauche. Ok. Et il faut remonter et tu suis le chemin, on est où? Ok, super, merci alors, à tout à l'heure. J'ai trouvé, ouais. J'ai pu trouver. Ouais. Si tu veux, je te laisse te garer juste en bas là. Ouais. Comme ça, au moins, ça libère l'espace. Comme ça, au moins, tout le monde se gare là. Et après, on partira de toute façon du garage. D'accord, juste là, contre le truc. Ça y est, j'y suis, Château Lastour, pour le stage Enduro Park de chez BMW. Alors, les participants, ben, ils arrivent, voilà, c'est derrière moi. Là on est sur le domaine, tous les participants arrivent, c'est génial. Donc levé 6h30 du matin, petit déj 7h15, c'est tout carré, on a fait un petit peu le plein. Et on est venu, l'accueil c'est super, les gars de la team Enduro Park sont super cool. On devrait commencer dans à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que tout le monde arrive. Et voilà, donc la suite c'est maintenant, à tout de suite. Donc il y a un truc qui est sympa, c'est que voilà, c'est la première fois que je mets donc les valises en mode plié, étant donné que je ne peux pas les retirer pour le moment, le système de fixation est sorti, on va l'avoir mi-juillet normalement. Donc voilà, je vais m'entraîner comme ça aujourd'hui, mais c'est pas mal déjà. Comme vous voyez, il y a tous les participants qui sont là. Voilà, voilà, on y va, vous m'accompagnez? Voilà, donc on est directement devant l'entrée de l'Enduro Park, tous les participants sont là et on va passer une superbe journée. Voilà, le parc moto de l'Enduro Park de Lastour. Voilà, toutes les bécanes sont là, le GS. Génial.
Allez, allez, tu me filmes, voilà, tu me vois, là, tu me vois, là, t'es bien, tu passes même plus au reste, tu n'es plus tout seul. J'ai jamais approché une éolienne de si près. Franchement, ce domaine, il est magnifique. C'est excellent. Devant moi, pour ceux qui connaissent, c'est Vincent Motorologue. C'est la pause déjeuner. On n'est pas bien là? Ce matin, on a bien bossé. Maniabilité à basse vitesse, avec des montées et des descentes. Et on a conclu la journée avec une superbe balade en direction du plateau des éoliennes. C'était vraiment génial. Hello. Alors voilà un gars franchement qui est assuré aujourd'hui, voilà, il fait ça bien, il fait merci ça bien. Bien, c'est un bon instructeur, il est cool, il nous met en confiance, merci pour cette journée Bruno. Ben merci à toi cool. De participer, c'est notre meilleure récompense d'avoir des gars qui viennent nous, non, franchement, nous rejoindre. Je te voyais sur les vidéos de Tom et du coup je me suis dit, faut que je le vois une fois, et tu seras dans mes vidéos cette fois-ci, si tu es pas contre. Non, avec plaisir. Merci pour cette journée et puis à demain. Ok. C'est cool. On va aller voir le reste de l'équipe. Alors on a tous les gars qui sont de retour, ils sont contents de leur journée. Ça va ? Impeccable. Tout se passe bien ? Impeccable. On va aller voir Seb. Ah, on va aller voir Seb. Ouais, on va aller voir Seb. Seb Safran, tout le monde m'en a parlé. Connu dans toute la France, de la Creuse jusqu'au Gard. Principalement dans le sud-ouest. Donc voilà, Seb Safran m'en a parlé, Nicolas Basta m'en a parlé, c'est lui qui nous a formé aujourd'hui. Salut Nico. Voilà, donc ça me fait plaisir. Si ça te dérange pas, tu seras dans ma vidéo. Pas de problème. Donc je voulais te remercier pour cette première journée. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Ça fait plaisir et ouais. Non, ça remet les bases et ça remet en confiance. Ouais. Et franchement, on en attend encore autant pour demain. Ah ben, vous serez servi. Non, franchement, demain c'est vous serez cool. Servi. C'est cool d'avoir des formateurs. On voit qu'ils font ça avec plaisir et ça c'est super cool. Exactement. Vraiment. Puis après, en même temps, c'est relativement facilité quand on a des gars comme lui qui sont dociles, qui font les choses bien du premier coup. Il n'y a pas à s'énerver, c'est cool. Bah écoute, en tout cas, merci à toi, Sam, en tout cas pour cette première journée. Eh bien, merci écoute, à demain. Vous voyez, donc c'est super cool. Non, franchement, belle journée. On est tous réunis, il n'y a pas eu de bobos. Et bien sûr, il y a eu des chutes, mais alors rien de bien grave. Et voilà, tous les gars sont réunis, c'est vraiment très, très cool. Très, très cool, vraiment, ça fait plaisir. Voilà, on va aligner toutes les motos. C'est un peu pâteux. Donc c'est cool. Alors étonnamment, super fort et super sympa. Les gars, juste un petit coucou si c'est possible. Bon, merci à Seb et merci à Bruno, tout le monde ensemble. Ouais. Et après la vidéo, on peut la voir où? Je vais vous donner l'adresse. Voilà, on a toutes les motos d'alignées, donc vraiment tout le monde est très très cool. Et on a passé vraiment une belle journée, c'était super sympa. Ça fait du bien déjà de faire de la bécane et puis de se remettre en confiance. Moi personnellement, si j'ai fait ce genre de stage, c'est pour me remettre en confiance suite à des chutes. Et puis voilà, de l'enduro, du cross, on en a fait au Maroc il y a très longtemps. Donc avec la grosse Bertha, avec la grosse GSA, c'est... Voilà, moi personnellement, il fallait que je me remette en confiance et les formateurs, ils m'ont vraiment fait plaisir. Donc voilà, tout le monde est là, on a passé une superbe journée. Donc je vous retrouve... ou ce soir ou demain, je vais retourner dans mon petit logis à Sigean, là où il y a le couple, et ma moto, je vous l'ai dit, ma moto a dormi dans une église, et ce soir, elle va redormir encore dans une église. Donc vraiment, c'est excellent. Dormir, ma moto, elle dort dans une église. Ça, je ne l'aurais jamais dit. Mais vous l'avez de toute façon dans la vidéo, et vous l'avez vu, je l'ai mise dans la vidéo, de toute façon, je la mets dans la vidéo. Voilà. Donc à ce soir au pire, ou à demain. Ciao à tous, bye. Et voilà, on est rendu à la deuxième journée de stage, deuxième journée de formation, toujours avec les mêmes gars, toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, ben, je pense que le niveau va très élever un petit peu. Mais bon, voilà, c'est nickel, la journée est belle. Il va faire beau et chaud. Donc, tous les gars sont là. On va faire un petit tour pour filmer les gens. Salut, salut. Salut. Ah, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont vaillants, ils sont présents.
Je vais vous afficher, hein, les gars, je vous le dis. Alors, on a Stéphane en tête d'affiche. Là, il est prêt, il est chaud pour la journée. Exactement, à ça. Salut. Donc, on est prêt pour la journée, nickel. Voilà, tout le monde est là. Et on a The Boss qui arrive. Bon, il est souvent à la bourre, hein, le boss, hein, mais il est là. Général des armées. Tout est aligné, mon colonel. Ah merde, du coup ça casse tout là. Ça fout un peu le bordel là, ce qu'il vient de balancer là. Après avoir bien bossé pendant deux jours, on finit notre week-end par une superbe balade off-road en direction d'une plage. On est autorisé à y aller avec nos motos, on se fait plaisir et ça fait du bien. Yes, on vient d'arriver sur la plage, c'était prévu pour, par rapport au stage. On est en face de, tout en face de Château-Lastour, mais voilà, un accès qui est autorisé à moto. On a tanké un petit peu les motos. Génial. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de vent. J'espère que la bonnette fait son boulot. Donc superbe après-midi, superbe journée de formation avec une belle balade à la fin. Et je connaissais pas ces plages où on pouvait aller avec les motos. Donc franchement, c'est top. On a tout le groupe qui est derrière là. Voilà, franchement, top, top, top. Vraiment bien. Voilà. Mon stage à l'Enduroparc de Château-Lastour est maintenant terminé. Je remercie énormément les formateurs ainsi que tout le staff BMW qui nous ont reçus avec professionnalisme durant tout ce week-end. Je remercie les participants pour leur bonne humeur et leur motivation. Je remercie également ma concession Motospeeder 73 pour m'avoir accompagné lors de cet événement. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Salut !